ailleurs, à Verdun, on ira peut-être, si c'est pour ça. Alors ça a été une année compliquée parce qu'il y a eu un changement de salle, il y a eu aussi un problème avec une comédienne qui est dans la salle, Corinne, tu es où ? Corinne, tu es là, Corinne, qui était dans la troupe, qui devait jouer un rôle important de la pièce, et qui qui n'a pas pu jouer, c'est le problème de nerf fiscal, qui s'est opéré, et c'était un peu tard pour... On a eu la chance d'avoir vu une pièce du marque-page, il est où le marque-page ? C'est tout. De talent venant du marque-page, vous le verrez tout à l'heure, qui est participé. La pièce qu'on va jouer ce soir s'appelle Dernièrement tous les citrons, c'est une pièce écrite par Patrick Hauteur et Daniel Navarro. Elle a eu quand même le Molière de la meilleure pièce comique en 2011, et l'auteur Patrick Hauteur vient d'avoir de nouveau le Molière de la meilleure pièce comique en 2022 avec une nouvelle pièce qui s'appelle Berlin Berlin. Peut-être que dans 15 ou 20 ans, on pourra la jouer. On sait pas encore. C'était pas les mêmes acteurs. C'était pas les mêmes acteurs, pas du tout. Laissez-vous surprendre par une pièce hors du commun et des scénarios conventionnels. C'est vous qui a parlé. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Ah, ben, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de monde qui vient parce que c'est aussi Maliette. Alors donc, C'est bon, la pièce. C'est un boulevard, mais c'est pas un boulevard. Elle sort un peu des scénarios traditionnels, mais vous y trouvez le mari, la femme, l'amant, le domestique. Vous pouvez tous les ingrédients, mais un peu autrement, c'est un peu trop. Et c'est ma chérie qui a la pièce. C'est trop tôt. Donc, je vous rappelle que. Pardon, je vous pose pas plus par rapport à ça. La pièce dure environ 1h30 et sera agrémentée du feu. Ça n'entra qu'une demi-heure environ, et reprendra ensuite une demi-heure. Après, vous l'avez fait. Alors, quand je ne me trompe pas, vous avez acheté tout à l'heure les tickets, ils avaient fait près de l'entrée. Maintenant, ils sont là. Ça évitera les coups, ils cravent très vite à la buvette. Il y en a même qui ont acheté leur ticket pour la journée. Parce qu'il y a des bretzels, il y a des knacks, il y a de la bière. Météor, bien sûr, parce qu'on est où ? On est à ? En planète, c'est la source Météor. C'est ici qu'elle prend source, la Météor. Hier soir, on avait même la chance d'avoir les droits. Oui, c'est vrai. Nous jouons ce soir pour deux associations. Une rose à l'espoir et les fruits roses du corps Rosberg. Deux associations qui œuvrent pour la lutte contre le cancer. Sachez que cette pièce que nous allons jouer est normalement réservée aux troupes professionnelles et que nous avons obtenu l'accord de l'auteur de la jouer à condition de reverser les bénéfices des entrées à des associations. Par contre, les bénéfices des buvettes vont chez Pouli Vessel. Nous, on est vraiment. On vous lâche ça, on a des frais. N'hésitez pas à boire, c'est pour la bonne cause. Manger et boire, c'est pour la bonne cause. Je continue. Les points que je voulais faire, je remercie Intermarché Orfelden qui nous fournit les logistiques et les points, puisqu'ils ont ouvert ce matin pour nous, parce qu'on a été rivalisé hier. Mais on a du stock, hein. Rassurez-vous, on pourra vous servir. Merci le Crédit Mutuel, Météo, bien sûr. Tout le personnel de la mairie d'Orfelden, les saisons de la mairie d'Orfelden. Pas ce soir, pas aujourd'hui. La tapisserie Béatrice Weingart à Stuttgart, ça a publié des pistes, je ne peux pas vous dire pourquoi elle a travaillé, mais elle a travaillé pour nous. L'atelier de la colombe pour des costumes. Le don du sang, est-ce que le don du sang, il y a quelqu'un ici ? Du don du sang, personne, parce qu'hier je viens de le dire dans la salle, je le dis aujourd'hui. Voilà, demain, toute la journée, dans cette salle, il y a un don du sang. Du sang. Toute la journée. L'après-midi à partir de 17h, voilà. Avec la tarte flambée. Voilà. D'accord, et nous on ne sera pas venus, on démontrera tranquillement les normes, les corps qu'on a mis en place. Un énorme merci aux bénévoles. Ils sont là en salle ou ils sont encore. On remercie vraiment les bénévoles parce que ils assurent pas. Évident d'avoir des bénévoles, mais là on a la chance d'avoir une équipe fantastique qui bosse beaucoup, très gourmande, il faut les nourrir, hein, c'est pas comme ça. Je continue. Alors, dans la salle, il y a des amis du club de parapente, Angela et Derek et. Derek et. Et Marie et. Derek et où là ? Et Maria. Il y a une partie de la troupe du théâtre à la salle de police. Ils sont où ? Oui ! Ouais. Asperges dans la grâce, c'est lui. Alors je veux lui dire.
avons avec vous, avec nous, il y a ça, je ne savais pas qu'il y a des gens qui ont un peu dans la salle, c'est notre référence. Je vous assure que quand on les voit, je pense qu'ils vont avoir plus de travail. Mais bon, on travaille. Donc, il y a également dans la salle, normalement, l'équipe de l'Aigle. Où est l'Aigle? Il y a l'équipe de l'Aigle. L'aigle, qui ne connaît pas l'aigle? Qui ne connaît pas l'aigle? L'aigle a plus des âmes, tout ce qu'on connaît. C'est normal. Il y a également ici une tradition fermière. Ah, notre professeur de bonne chose. Parce que eux, ils font une promotion pour notre PH, pour le dire. C'est vraiment, vraiment très bien. Je vous remercie également. Après, c'est un peu plus personnel. Est-ce qu'il y a des gens du groupe, des amis? Weibel? Schneider, voilà, les amis, et ça, franchement, je peux pas emboîter, quoi. Normalement, ils sont en train de faire du triathlon, ils sont en train de faire de la montagne, du ski, d'escalade. C'est vrai ou pas, Jean-Luc? Eh oui, et là, ils sont venus exprès. Merci. Bon, merci. Ensuite, il y a les Dolinger, il y a le Stati Schraoué, Raoul Klein. Ouais, les Dolingers. Bon, je passe, je vais pas vous citer les amis en chat parce que on n'est pas derrière. Vous dire aussi que pour la dernière, après les soirées que nous avons passées, le jour de mon anniversaire, j'avais très envie de fêter le tout avec vous. Donc à la fin, il y aura quelques petites surprises, des petits bonus, mais je ne vous en dis pas plus. Donc ne vous précipitez pas à la sortie, de toute façon, on ne va pas les passer partout. Mais restez avec nous, ça peut être très sympathique. Je vais être prêt parce que les comédiens, ils sont prêts en coulisses, ils sont chauds, chauds patates. Il y a même, dans les coulisses, il y a même une personne, deux personnes qui n'étaient jamais montées sur les planches, mais je vous mets au défi de vous rendre compte de qui c'est, enfin, une chose près, parce qu'elles assurent vraiment très bien. Alors, on est dans le spectacle bilan. Le spectacle bilan, c'est interactif. Quand vous réagissez, ils réagissent. Quand vous réagissez moins, ils réagissent moins. Quand c'est fort, c'est vraiment une telle chimie. Chaque soir a été différent. Mais par contre, je peux vous dire, c'est que chaque soir, hier soir encore, on a eu un public. Ah, une folie, hein, franchement, je ne sais pas si c'est un même niveau, mais... On va se battre, hein. Parce que nous, on décerne à la fin la médaille du meilleur public. Hein. Les surprises de la fin, on est bon aussi. Hein. Donc, n'ayez pas peur de les encourager. On n'est pas au cinéma, on n'est pas à la télé. On est pour de vrai, tous ensemble. Excusez-moi, je ne pense pas à vous. À plus d'excès, on n'a pas de balle. Plus vous êtes bons, plus ils sont bons. Plus ils sont bons, plus vous êtes bons. Ah ouais, petite histoire. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'ils vont donner le meilleur de même. Alors bon, je crois que ça suffit, on va y aller. Est-ce que vous êtes prêts derrière? Oui! Messieurs, bonsoir. Toute la troupe de Fugrissel vous souhaite la bienvenue. Nous vous demandons de bien vouloir allumer vos portables à la fin du spectacle. Une personne sensible aux ondes radio vous en remercie. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre page Facebook Fugrissel. A tous, nous vous souhaitons une excellente soirée et un bon spectacle. Ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment.
qui vient pas. Un certain monsieur Henri du Jardin est dans le petit salon où il désirait parler à madame. Monsieur Henri du Jardin. Ah mais oui, c'est cette charmante personne que j'ai croisée à la soirée du flou. Il était fort empressé. Une chance que mon mari ne se soit pas aperçu. Faites entrer, Victor. Bien, madame. Madame Lavignac, mes hommages. Monsieur du Jardin, quelle surprise. Asseyez-vous, je vous prie. D'abord, ici. Que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, ma chère madame Lavignac, je viens vous rapporter votre porte-cigarette que vous aviez oubliée à la soirée du flou. Oh, comme c'est gentil à vous. Je pensais l'avoir fait. Tout j'en ai cherché partout. J'en ai fort contrarié. Remarquez, il n'a pas grande valeur. Il appartenait à ma grande tante Léa qui m'a élevée jusqu'à l'âge de mes 20 ans. C'est un souvenir. Dieu est son âme. Ah oui, je sais ce que c'est les souvenirs. Voyez, moi-même, il y a peu de temps, j'ai perdu une montre qui appartenait à mon grand-père. Et j'en suis encore fort peiné. Ah, je sais où ce que c'est les souvenirs. J'attache tellement d'importance aux souvenirs. C'est ce qui fait la vie. Oui. Eh oui. Eh oui. Bah, vous prendriez bien une tasse de thé. Ah, volontiers, oui. Victor. Oui, madame. Servez-nous le thé, Victor, je vous prie. Thé à la menthe ou thé citron? Enfin, thé citron. Vous savez combien j'ai la menthe en horreur. Et pour vous, chère amie? Ah, thé citron, moi aussi. Bien, madame. Ah, le thé, cela me rappelle l'Inde. J'en avais ramené de toutes sortes lors d'un de mes voyages d'affaires. Figurez-vous que mon mari est actuellement en voyage annulé pour une quinzaine de jours encore. J'espère qu'il ne dira pas de me ramener du thé. Le mari absent, quelle aubaine, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pan au plan. Quelle merveilleuse soirée chez les Duflos. Vous étiez resplendissante. Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Je n'avais pas mis les plus beaux. Je n'avais pas mis les plus beaux. Les autres sont d'une bien trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oui, bien sûr, mes amours, je peux le dire. Mon mari a fait bien que nous les gardions ici. Il dit qu'ils sont 100 fois plus en sécurité que dans une banque. Incroyable! Je ne pensais pas avoir autant de chance. À nous deux, madame de Lignac. Oh, Marie-Agnès, mon cœur va la chamane et je ne peux résister davantage à vos charmes. Jetez, madame. Ce n'est rien, juste une petite poussière dans l'œil. Laissez Victor, nous ferons le service nous-mêmes. Bien, madame. Quelle région, il pleut tout le temps. Il pleut? Où ça? Eh bien, vous n'entendez pas. Quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Oh, Marie-Agnès, ne me faites pas souffrir plus longtemps. Je vous aime. Ah oui, mais c'est pas possible, tu fais exprès ou quoi? Je suis désolé. Écoute, Julien, ça fait la énième fois qu'on répète cette scène et chaque fois tu le renverses. Merde alors! Mais quel citron ce mec! Allons, les enfants, du calme, s'il vous plaît, du calme! Mais je l'ai pas fait exprès! Encore un point que tu l'as pas fait exprès! Oh, mais du calme, s'il vous plaît, repassez la vie pour ça! C'était bien, c'était très bien! Ah bon? Ah oui, c'était bien. Il y a du rythme, il y a de la couleur. On sent quelque chose. Mais attention, n'oubliez pas que c'est du boulevard. Allez, il faudrait que ce soit un petit peu plus sérieux. Comment pourrais-je dire? Enfin, c'est surtout pour lui dire, parce que la fin, c'est très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Bien, allez, on continue. Écoute, Clara, à la limite, on pourrait peut-être changer la mise en scène du thé, parce que sinon, moi, je vais être trempée à la générale. Ah, ça, c'est pas possible. Mais vous avez beaucoup de moins la scène du thé. Non, mais là, c'est même plus une question de compréhension, c'est une question d'adresse. Ah, ben non, je te jure que je ferai plus attention. Comme d'habitude. Bah, le plus simple, c'est de rien mettre dans la théière. Ben oui. Ça résoudra le problème. Enfin, moi, ce que je dis, hein. Pourquoi pas? Ah non, 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 moi, ça me dérange beaucoup si je répète pas dans la situation. C'est vrai, quoi. Une théière vide, ça n'a pas le même poids. Déjà qu'on a supprimé l'eau bouillante. Évidemment. Ouais, mais moi, en attendant, j'en ai marre d'être mouillé à chaque répétition. Ben, évidemment, c'est désagréable. Mais on va trouver une solution. Surtout que le thé, ça tâche rudement. Oui, enfin, sauf que là, c'est de l'eau.
Bon, moi, j'ai des éclairages à régler, hein. Je le sais bien, je dis flotter sa tâche et tout. J'ai bien le droit de flotter sa tâche, non? Ben oui, mais le vin aussi sa tâche. Mais là, c'est de l'eau. D'ailleurs, ça me rappelle une fois où j'ai joué dans Hamlet, dans une salle magnifique à Avignon, dans une mise en scène de Roland Bénard. J'aime tout, mais tout ce que fait Bénard. Bénard? Le fils de Christian Bénard, le producteur du théâtre aquatique. Il avait mis en scène le site sous l'eau, une merveille, et gratuitement, en plus, ça lui bon, bien, bien, bien sûr, bien sûr. Bon, pour en revenir... Dominique, moi, ouais. J'avais vu la grande patrouille. Julien. Pour en revenir, notre petit problème, j'aimerais bien que tu travailles tes mouvements, qu'ils soient plus, plus amples, tu vois, plus aériens, tu comprends? Non. Bon, alors, imagine que tu es... Enfin, fais comme si tu étais... Ça a commencé. Oui, j'ai compris. Bien. J'en doute, hein. Bon, en contactant, on va la salle du bon, par contre, Clara, tu vas être à moi, là, maintenant, ou pas? Ah, ok. Ok. Bon, Gérard, tu peux nous envoyer l'enregistrement de la pluie, s'il te plaît? Ok, je vous envoie l'enregistrement de la pluie. Ok. Autrement, pour moi, Clara, c'était bien? Oui, parfait. Bien, reprenez. Victor? Oui, madame? Serez-vous le thé, Victor, je vous prie? Thé à la menthe ou thé citron? Thé citron, vous savez très bien que j'ai la menthe en horreur. Et pour vous? Ah, thé citron, moi aussi. Bien, madame. Ah, le thé, cela me rappelle l'Inde. J'en avais ramené de toutes sortes lors d'un de mes voyages d'affaires. Figurez-vous que mon mari est actuellement à New Delhi pour une quinzaine de jours encore. J'espère qu'il n'oubliera pas de me ramener du thé. Ah le mariage, ça, quelle aubaine. Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pot au point. Quelle merveilleuse soirée chez les Duclos. Vous étiez resplendissante. Ah. Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh, je n'avais pas mis les plus beaux. Les autres sont d'une bien trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oui, bien sûr, mais où je peux le dire? Mon mari a préféré que nous les gardions ici. Il dit qu'ils sont 100 fois plus en sécurité que dans une banque. Incroyable, je ne pensais pas avoir autant de chance. À nous deux, madame de Rivière. Oh, Marie-Agnès, mon cœur à la camarade. C'est pas possible, hein. T'es idiot, tu fais exprès. Je me suis... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien renversé. Je me suis trompé. Mais Julien, mais c'est l'inverse. Si tu les fais ton aparté, le public n'y comprendra rien. Ah oui? Ah, je m'excuse, hein. Je vous prie de m'excuser. Ah ben non, c'est moi. De plus, j'aimerais que tes interventions soient plus légères au niveau des gens. Oui. À la manière de... Eh bien, d'un papillon qui prendrait son envol. Tu vois? Oui. Bien, allez, reprenez. Oui, mais avoue, je peux le dire, mon mari a préféré que nous gardions le bijou ici, mais qu'ils sont 100 fois plus en sécurité que dans une banque. Ah 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 ah. Le mari est absent, quelle aubaine, je n'en espérais pas tant, cela va me permettre de mettre mon pont au loin. Tu sais qu'il pourrait peut-être essayer en faisant des pointes aussi, hein. Fais attention à ta diction. C'est mon plan au point, non pas mon plan au plan. Ah bah oui, c'est vrai, pardon, je vais reprendre. Bien, alors tu articules bien et bien là, et tu y vas pas par les pieds. Allez, on mange. Allez, vas-y, mon petit chou. Allez, vas-y. Le mari absent, quelle aubaine. Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pan au point. Non, je...
mais c'est l'habitude, pardon, pardon. Le mari absent, quelle aubaine, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pan non. Au loin. Alors, tu écoutes bien le plan et tu répètes, répètes à tout le monde. Mon plan. Mon plan. Oh. Oh. Point. Point. Mon plan au point. Mon pan au point. Non, mais là, c'est pas possible. Vous t'es idiot, tu fais exprès. Ah, ben non, je vous jure que je le fais pas exprès. On ne s'élève pas, les enfants, on ne s'élève pas. Mais sinon, on pourrait peut-être changer la réplique. Mais Julien, tu n'y penses pas? Mais que dirait l'auteur? Regarde, je pourrais dire que le début, ça ferait ça. Le mari absent, quelle aubaine, je n'en espérais pas tant, cela va me permettre de mettre. Ah oui. Bah alors, je pourrais le faire autrement, regarde. Le mari absent, quelle aubaine, je n'en espérais pas tant, cela va me permettre de mettre, mais chut, je ne t'en dis pas plus. Oh, extra, t'as jamais pensé à créer une pièce, toi. Gérard, tu peux mettre un peu de lumière dans les coulisses, s'il te plaît? D'accord. Merci. Bon, de toute façon, c'est un petit détail. On verra ça plus tard, mon petit Juju. Je vous rappelle que la générale est dans 3 jours. Voilà. Et on a encore beaucoup de travail. Alors, on va falloir y aller, non? Oh, Marie-Agnès, mon cœur! Gérard! J'ai toujours rien là, c'est vous! Ah oui, excuse-moi, je t'envoie ça tout de suite. Ok, merci. Bien, reprenez. Oh, Marie-Agnès, mon cœur! Gérard, mais c'est vous là! Oh, bah, je me sens encore tombé, non? Non, c'est pas vrai ça! C'est pourtant tout marqué! Oh, Marie-Agnès, mon cœur! Oh, Gérard, tu te rigoles là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais ça suffit, d'accord. Monsieur. On répète la Robert. Je dérange? Oui, un petit peu quand même, Robert. Ah, mais il faut le dire tout de suite, hein. Parce que vous croyez que je vais pouvoir régler des éclairages sans mettre de la lumière, moi? Non, mais j'aurais jamais fini! Enfin, moi, ce que je dis, hein. Comment va tout son travail? Pardon, Clara. Ça va être à moi, là, maintenant. Non? Non, Richard, fais pas la sécurité. Bon, ça va, autant pour moi. Eh, tu sais que tu pourrais peut-être essayer de suivre sur ton texte. Ben écoute, je l'ai pas pris, j'ai prêté. Ben tu prêtes tous les jours, toi, ton texte. Hein. Mais j'ai pas besoin de mon texte, mon madame. Je le sais. Silence. Allez, on continue. Oh, Marie-Agnès, mon cœur va la chamade, et je ne puis résister davantage. Le thé, madame. Ce n'est rien, juste une petite cuillère dans l'œil. Laissez-le dans le fond de service. Bien, madame. Quel chiant, il pleut tout le temps. Il pleut, où ça? Eh bien, vous n'entendez pas? Oui, c'est la pluie, ça. Y'a un problème? Oui, on l'a visualisé bien. T'aurais pas un truc un peu plus léger, genre... petit crachat alsacien? Ben c'est ça, petit crachat alsacien. Ok, bon. Petit détail, hein. On verra ça. Bah oui, Gérard, fais un tout petit peu moins fort, quand même. On continue. Quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Oh, Marie-Agnès, ne me faites pas souffrir plus longtemps. Je vous aime. Oh, taisez-vous, méchant, si l'on vous entendait. Mon cœur brûle, et seul votre amour peut le sauver. Mais non, 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 Julien, ça va pas du tout. Je te l'ai déjà dit 100 fois. C'est écrit dans le texte. Il étreint et l'embrasse
semblant. Oui, enfin, ça doit paraître vrai. C'est du vrai, là. Faux. Non. Non, mais tu sais quoi, à la limite, tu m'embrasses pas du tout et ce sera beaucoup plus simple, hein. Oh, non, non. Le baiser est capital, vous êtes sûr. Ah, oui, le baiser capital. Ça fait même partie du bon monde du théâtre de boulevard. Enfin, moi, ce que je dis, hein. Vous avez raison, hein, c'est important. Oui, mais enfin, faut que ce soit bien fait, sinon c'est juste ridicule. Ben, naturellement, que ce soit bien fait. J'ai bien chaud. T'as qu'à embrasser comme si t'embrassais ta petite amie. Quoi? Oui, mais c'est que j'ai pas de petite amie. Ah, t'as qu'à embrasser comme t'as embrassé une petite copine. Oui, mais j'ai pas eu de petite copine. T'as jamais eu de petite copine? Bah non. Alors t'as jamais embrassé? Ah bah non. Je crois que Sophie a raison, hein, faut supprimer le baiser, hein. Crois moi ce que je dis, hein. Attendez, j'ai une idée. Je peux, Clara? Oui. Et s'il se mettait à genoux pour l'embrasser dans son dévot? Ouais, et pourquoi pas un double saut périlleux, une rigouette pour finir? Ah bah moi c'est comme vous voulez, hein. Mais il est sérieux, là? Bon, de toute façon, je ne pense pas que les gens fassent un mouvement là-dessus. Bah tu crois? Parce que tu vois, j'ai beaucoup de mal à embrasser au début au théâtre, hein. J'étais comme paralysé, bloqué. Ah bah oui, moi c'est ça. J'ai même souvenir d'une fois où je jouais avec une partenaire. Ah, top modèle, hein. Rien à voir avec toi. Qui, hier, vous savez pourquoi, mais pas pour les mêmes raisons. Elle, c'était par rapport à son père, un marin solitaire qui ne vivait que pour la mer. Et elle ne voyait pas son fils. Bien sûr, bien sûr. Alors, mon petit, pour en revenir à notre problème, j'aimerais bien que tu mettes un petit peu plus de sentiment, tu vois, de sincérité. Tu comprends? Alors, tu enchaînes, tu dis ta réplique et tu l'embrasses, d'accord? D'accord. Allez, vas-y. Taisez-vous, oh, les chants, si vous vous entendez. Mon cœur brûle, et qui seul votre amour peut le sauver. Et voilà. Non, mais là, on sent tout de suite qu'il est fou de moi. Bon, de toute façon, c'est un petit détail, on verra ça plus tard. Voilà ce que je vous propose. D'accord. Autrement, pour moi, Clara, c'était bien. Oui, c'était pas cool, je crois. Tu comprends pas qu'au début, je devais un petit peu en rajouter, parce que là, j'ai l'impression que... Non, c'était très bien. C'était très bien.